Et vous me l'avez demandé, je l'ai trouvé. Donc, on va regarder ensemble ce qui contient. Je ne me suis pas fait spoil. Donc, c'est le calendrier de l'Avent de Monoprix. Pareil qu'il est waouh. Alors, je vous ai écouté. Si vous êtes prêts pour découvrir tout ça en même temps que moi, et ben allez, on y go. Vous allez bien, que vous avez la pêche, que vous avez le moral, que vous avez la santé, que vous prenez le temps de vous accorder des moments à vous, voilà. Appréciez les choses simples, le temps présent, parce que ça passe toujours trop vite et après on regrette. Et c'est très très important, voilà, de temps en temps, dans la vie mouvementée que l'on a entre le travail, les enfants, la maison, l'organisation, les soucis et tout. Posez-vous, voilà, appréciez, c'est bon pour votre santé, et votre santé c'est primordial. Prendre soin de vous, c'est primordial. N'oubliez pas, la vie est trop courte. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, là, maintenant, commencez à souffler et à penser, à vous accorder un moment à vous ou avec ceux que vous aimez. Voilà. Toujours happy de vous retrouver. Alors, sachez que ce calendrier, vous me l'avez suggéré dans mes vidéos ou sur mon Instagram, je vous remets là. N'hésitez pas si vous avez des suggestions ou quoi que ce soit, de m'en faire part, ce sera avec plaisir, je les prendrai en compte et puis on pourra regarder ça ensemble en vidéo. En tout cas, là, j'ai vraiment pris toutes vos demandes. Là, je ne sais pas ce qu'il contient, donc je ne sais pas s'il est bien. En fait, je vous ai fait totalement confiance. Hein. Donc franchement, s'il est nul à chier, j'aurais regardé les commentaires, les suggestions et puis je reviendrai vers vous. Non, mais bon, pareil qu'il est très bien, il est à 39,95. Sa valeur réelle, elle est non connue, c'est marqué NC, donc je peux pas vous dire, c'est le multimarque. Ils en font un autre moins cher à 19,95€ de juste la, comme Monoprix, vous savez, les calendriers un petit peu moins chers comme Nocibé, Mariono ou Sephora, ils font des calendriers beaucoup moins chers juste en nom propre. Mais bon, ceux-là, ils me plaisent plus trop, comme j'ai plus trop envie de prendre ceux d'Action, enfin, je les trouve pas intéressants à l'heure d'aujourd'hui, mais bon. Donc voilà, il se présente comme ceci, voilà, l'orangeur, il est juste... C'est vrai qu'il est très très beau, il est bleu nuit comme ça avec le grand magasin Monoprix, tout en doré, franchement, il est juste canon avec son petit nœud doré. Justement, il me fait penser vraiment, il a un air du calendrier Mariono. Je regrette de ne pas l'avoir fait cette année, tant pis, je le ferai l'année prochaine. S'il est bien, je l'espère, hein, à la différence de ceux qui m'ont vraiment estomaqué comme Peggy Sage, il y en a eu des très bien. N'hésitez pas à aller revoir mes vidéos calendrier de l'Avent, c'est tout dans la playlist calendrier de l'Avent. Vous avez encore le temps de trouver le vôtre, hein, je ne sais pas si vous l'avez trouvé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, celui que vous avez choisi. Je suis vraiment, j'ai hâte de vous lire là-dessus, donc voilà, dites-moi tout ça. Mais bon, voilà, et c'est l'avant-dernier, la semaine prochaine, il y aura le prochain calendrier, ce sera le Rituals, l'incontournable, mon chouchou, c'est le best, le Rituals, voilà. Allez, sans plus tarder, on va ouvrir ce petit nœud doré, comme ceci, et puis, voilà, on va regarder comment il se présente. Donc, il est en coche, ouais, il est en coche, mais bon, c'est sûr, c'est un coup moindre hein, en coche, mais regardez comme il est très très joli, je vais essayer de vous l'approcher. Regardez ces cases, voilà, parce qu'après je ne vais pas pouvoir trop vous les montrer. Ah, ça me fait un petit peu mal au cœur, sincèrement, de le décortiquer, parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai qu'il est hyper sympa dans les bleus, les tons dorés, au moins les chiffres, je pense que je vais les voir, parce que là au moins ils sont clairs et nets hein, par rapport à certains calendriers. Je vais essayer de le poser là, ça ne va pas être simple quand c'est comme ça, mais voilà. Allez, on est parti pour la case 1 quand même. Si tu viens d'arriver sur cette vidéo, que tu veux me soutenir, n'hésite pas à t'abonner, lâche ton petit pouce bleu, partage. Merci du fond du cœur d'être de plus en plus, franchement, de tous vos messages. Il y a quelques temps, j'ai été bien malade, je m'en remets là légèrement et tout. Ça a été pas facile, le moral était un petit peu, et franchement, sans que vous le sachiez, vous m'avez énormément monté le moral, vous donné énormément, donc voilà, merci, franchement, je vous love, et pour ça, c'est un grand merci du fond du cœur. Allez, moi je commence, parce que là, vous savez, case numéro 1 qui se trouve ici, donc c'est un petit chat, elle est en case dorée, et là, on retrouve, donc dans la case 1, on retrouve un petit pot de la marque Uriage, eau thermale, masque d'eau de nuit. Donc c'est excellent, par contre c'est un tout petit format, mais un masque de nuit, il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup, et franchement, c'est une super marque, honnêtement, il sent bon, voilà comment il se plaisante. Alors, c'est une catastrophe, par contre, catastrophe de chez catastrophe, honnêtement,
Il est 13h29, c'est de pire en pire. Je ne sais pas si vous allez voir, regardez, 13h29, je ne vous raconte pas de crack. Et on est en lumière artificielle, le temps est cochon depuis plus de 2 semaines et demie. Donc pour les vidéos, c'est pas fifou. Je pense que j'ai mis toutes les lumières pour que vous me voyez bien et que vous pouvez tout voir. Donc voilà le point météo de la vidéo. Regarde qui se trouve ici. Oh, bah là, nous avons un petit vernis. Alors c'est toujours galère à sortir en fait. Donc c'est un petit vernis. C'est un petit vernis de quelle marque? Parce que je vois pas. Voilà, ton orange quand même. Là, il faut aimer. Hein. Bon, c'est très très particulier. Bon, c'est pas mon kiff à moi, mais je sais pas. Peut-être que c'est peut-être le vôtre hein, en tout cas. 15 numéro 3. Bon, allez, bleu foncé, je vais peut-être pas vous décrire à chaque fois la case. C'est une crème de Filorga. Filorga. C'est Waouh! une crème de peeling de nuit. Voilà, je sais pas si vous allez voir. Alors, c'est vrai que par contre, c'est super, hein, c'est une super marque, mais c'est un petit contenant de 15 ml. C'est quand même petit et je ne sais pas si elle est remplie. Après, je vous avoue que Filorga, c'est une marque qui coûte, mais hyper cher. La marque, une fois, m'avait envoyé deux produits, un sérum et une crème. Juste la crème en elle-même, sans deck, elle faisait plus de 75 euros. C'était la crème de jour. D'ailleurs, je ne l'ai même pas encore trop, je ne l'ai même pas totalement encore testée. Elle est tellement chère que je n'ose même pas la toucher. Mais c'est vrai que c'est une gamme qui est très, Quatre très numéro onéreuse. quatre et là. Apparemment, c'est un liquide mat de la marque Deborah. Pareil, encore une fois, je ne connais pas du tout cette marque. Oh, par contre, il est mais très très beau. Regardez ça. Il est juste magnifique. Alors, j'apprécie de ne pas avoir du rouge. Vous me connaissez maintenant. Mais ouais. Ah, puis d'habitude, comme d'habitude, j'ai pas de torchon. Regardez quand il est un petit peu plus étalé. C'est vrai que vous, ça vous fait un petit côté ocre, mais il a vraiment ce côté plutôt. Il vire au nippe-vin et au marronné. Franchement, mais il est Case trop numéro trop beau. 5, nous retrouvons un produit de la marque Monoprix, un nettoyant visage solide. Donc dedans, c'est de l'amande douce et de l'argile blanche pour tout type de peau. Ça sent quoi ça, par contre, l'odeur? Ouais, d'accord. C'est très doux. Il se présente comme ça, le pain de... Hop, si vous allez voir. Voilà, comme ceci. Et ben pour nettoyer le visage. Ceci dit, des fois j'aime bien. Et au pire des cas, si j'aime pas, ça me sert pour les pinceaux. Après, les nettoyants visage solides, sincèrement, j'en avais pris celui d'Action là. Il était très bien. Après, ce que j'aime pas en solide, c'est pour les cheveux. J'aime pas les shampoings solides. Je sais pas pourquoi, mais Case j'y peux rien. numéro 6, Allez, on retrouve un savon. Et donc avec c'est cette bon. j'ai vu qu'il faisait vos petits produits qui étaient tombés. Donc voilà, comme je disais, c'est un savon main nettoyant de la marque Merci Andy. Donc ça, on les retrouve souvent dans les calendriers. Et ceci dit, c'est une chouette marque. Donc franchement, bien contente de le trouver, de la gamme Case numéro Flower. 7, on retrouve les petits prodiges que je ne connais pas. C'est un baume multi-usage, par contre, 10 ml. Hein. Donc ici, c'est pareil. Par contre, ça sent... Sur le coup, j'ai... Il semblait que ça sentait bon, mais je pense qu'on peut les mettre sur les lèvres. Bon, à mon avis, gardons ça juste pour les lèvres parce que au vu de la Donc, quantité, ça case suffira. Mais numéro ça 8, sent. et je vous dis pas que des fois, il faut aller chercher le produit au fin fond et que ce n'est pas facile. Je suis quand même munie de mon petit ciseau. Et là, on a de la marque Tonka, une eau de toilette. Oh, regardez-moi ça, elle est vraiment canon. Elle est elle est fermée, ceci dit. On va l'ouvrir et on va quand même chipchit. J'espère qu'elle va sentir bon. Je suis en train de chercher le pulvérisateur. Franchement, elle sent. J'essaie de, vous savez, de bouger pour que ça. Elle sent très très bon. Enfin, pour moi. Alors, j'espère qu'elle va diminuer un petit peu en intensité parce que quand c'est trop fort, vous savez, j'aime pas trop. Mais écoutez, pas mal pour la case numéro 8. Case numéro 9, nous retrouverons des petits élastiques. Donc, premier goodies pour l'instant du calendrier. Donc, c'est censé être... Ça fait pas de plis, rien dans les cheveux, hein, franchement. Mais bon, d'invisible bubble, voilà. Tout rose, c'est rose, remarquez, Donc, tu comptes case que c'est numéro rose. 10. Alors, les encoches, par contre, elles s'ouvrent super bien. Des fois, pour récupérer les produits, c'est moins facile. Et là, nous avons un format plus généreux, hein, j'allais dire. Donc, celui-là, il fait 50 ml et c'est de la gamme Monoprix. Donc, c'est une crème visage hydratante.
Donc non parfumé, hein, sachez-le, pour toute peau, même les plus sensibles. Voilà à quoi ça correspond. 15, numéro 11, on retrouve une crème de jour de la marque Eucerin. Oui, c'est bien ça, hein, je ne dis pas de bêtises. Hein. Eucerin, oui, à l'acide hyaluronique donc, et à SPF 15. Franchement, c'est juste canonissime parce que ça aussi, ce n'est pas donné comme marque et elle est excellente. Donc, assez contente. Encore une fois, c'est un format pour tester. C'est pareil, hein, il ne suffit pas d'en mettre des grosses quantités, hein, il suffit de mettre des petits points et d'appliquer et ça peut vous faire un petit moment déjà pour la connaître. Mais franchement, ça c'est une super belle bon produit dans le 15, numéro calendrier. 12, des fois c'est sous notre nez et comme je vous l'ai déjà dit, j'ai mis trois pompes à trouver. C'est très joli ces petits pas de danse dedans, ce numéro 12. Et là on retrouve un gros vernis bien encastré, vous voyez. Là, je vais avoir du mal à sortir le Donc, produit. très joli packaging de la marque OPI, hein, vernis Vous mettez de côté parce que rouge. moi, perso, je n'en servirai pas. Et comme je vais vous faire un petit concours de Noël quand même, bah oui, parce que pour vous remercier. Donc voilà, je vous mettrai pas mal de produits et voilà, ce sera pour vous. Allez, la 13. Wouhou! Alors, à chaque fois que je le dis, Good et ou là, pas good? franchement, on retrouve. Vous voyez, je suis obligée des fois de déchiqueter complètement pour sortir le produit. Donc là, on a la marque Christophe Robin. Voilà, un gel nettoyant, purifiant pour les cheveux. Parce qu'on sait que Christophe Robin, c'est pour nos ce petits cheveux. Et franchement, c'est juste canon. Il y a 40 ml dedans. Et c'est également une super marque. Donc 14 qui est voilà. juste là, qui est toute grande avec un sapin de Noël. Et qu'est-ce qu'on a dedans? Oui, moi je Ça, prends une une éponge. éponge rose. Je crois que là ils m'ont connue, je suis trop contente. Ce rose, c'est juste génial. Voilà, elle a l'air incurvée et tout. Franchement, elle a l'air pas mal comme petite éponge. Du coup, on va regarder ça. Hop. Regardez ça. Voilà, elle est pas mal comme ça. Regardez au niveau. Elle est biseautée. Franchement, j'ai pas vu beaucoup d'éponges de ce style comme ceci, mais franchement, c'est un bon produit, franchement. Ça sert toujours parce que les éponges, au bout d'un moment, on a beau les laver, ils 15, vont numéro 15, j'ai cru, dégoûter. je vous promets que c'était encore averdi, je me suis dit non, pas encore averdi, vous voyez, c'est ça se présente comme ça, donc c'est de la marque Lazartigue, je ne connais pas non plus, c'est un sérum qui est hypoprotecteur, voilà, donc voilà comment il se présente, je ne connais pas non plus cette gamme, je sais pas vous, dites-moi, bon après ça reste encore un petit format, mais les sérums, vous savez qu'on en met juste quelques gouttes aussi. Donc, bah écoutez, ça permettra de connaître, voilà, puisque c'est thermoprotecteur. 16, on avance dans le calendrier. Et là, oh, mais c'est trop bien. C'est une huile pailletée de la. Oh, de Nuxe. Oh, génial, vous savez à quel point j'aime Nuxe. Regardez cette petite huile pailletée, c'est trop good parce qu'en plus de l'huile pailletée, on n'en met pas tout le temps. Mais au niveau du 31, si vous avez un léger décolleté ou quoi que ce soit, eh ben, c'est bien, vous en mettez là. Vous en mettez là et ça vous fait un petit côté scintillant. Bon, pas là, hein, parce que ça va faire boule à facettes, donc ça va pas être. Mais même pour les fêtes de Noël ou quoi, franchement, ça, les canons, cette huile pailletée de Nuxe, oh, c'est une pépite. Je l'ai en grand format, j'adore, 15, franchement. 17 qui est juste ici. Hop, alors. Oh, on a une crème de la marque Bioderma. Hop, nickel, elle s'est sortie. Facilement en plus, ça c'est trop bien. Donc ça c'est de l'huile de douche atoderme, mais c'est ma fille qui va être contente. De l'huile lavante, repulpante, apaisante, anti-irritation, mais c'est parfait. Bioderma, c'est la marque que je prends parce que vous savez, elle est très fragile au niveau de la peau. Elle fait pas mal de réactions, ça la gratte. Enfin, vous voyez, elle va pas se laver avec le Choupa Choup, le gel douche d'Action parce que c'est mort. Franchement, elle va faire une réaction sur une semaine. Mais et là, par contre, en plus, c'est excellent. C'est un 100 ml. Donc, franchement, ça permet vraiment de découvrir. Là, c'est pareil. Je suis vraiment 15, contente. 18, c'est de la marque c'est le shampoing signature. Voilà. Vous connaissez, vous aussi? Parce qu'alors là, même moi, je fais des découvertes. Hein. Sincèrement, je connais pas. Par contre, il sent super bon. Voilà. Donc, c'est bien, c'est un shampoing signature. Après, bon, on verra à quoi il sert. Hein. On va pas tout chercher. Mais bon, alors, vous me connaissez. Si vous me suivez déjà depuis un petit moment, moi, tout ce qui est shampoing,
Masque shampoing, des fois, dans les calendriers d'avant, je regrette parce que selon les chevelures, si c'est des chevelures très grandes ou quoi, malheureusement, on n'a pas le temps de toujours bien tester. Mais ceci dit, c'est un calendrier soin, donc généralement, des shampoings, on en a. C'est vrai qu'on ne peut pas revenir, on ne peut pas redire quoi que ce soit là-dessus. Mais écoutez, à Par contre, la découvrir. caisse d'estoff, elle est riquiqui, mais oui, je comprends mieux, ça doit être un top coat. Et comme d'habitude, eh ben, je galère à le sortir. Voilà, ouais, ben, c'est ça, hein, c'est un top coat, un machin, voilà, c'est un petit vernis tout Case blanc. numéro 20. Je suis choquée, c'est de la marque CVR et franchement, c'est trop bien. B3 ampoule Hydra. Waouh, mais c'est trop bien concentré, réparatrice, pendant anti-rides. Oh, mais c'est génial ça! Regardez ça, c'est un format franchement assez généreux quoi. Alors là, oui, je ne sais pas si vous avez bien vu le truc parce que je voulais passer assez rapidement. Mais ah ouais, je suis choquée du produit, je ne m'attendais Case pas à ça. 21, nous retrouvons un crayon pour les yeux. S'il est noir ou il n'est pas noir, à part, c'est quelle marque ça? Bon, je ne vois pas la marque par contre. Ah ouais. Ils disent que c'est un noir, mais j'aurais presque dit que c'était presque un gris fumé entre nous. À tailler, donc c'est un crayon en bois. Donc c'est chiant parce que moi je les paume toujours, mes tailles crayons. C'est quand j'en ai pas besoin, je les vois. Quand j'en ai besoin, je trouve plus mon taille crayon. Je sais pas vous si vous avez le même problème que moi, mais oui, c'est sympa. À Case voir. Bon. 22, là la porte, elle s'est fait la malle du coup avec. Je crois que le calendrier, il arrive là, il reste plus que deux cases parce que c'est un calendrier, 24 cases. Donc là, on a de la marque Uriage. On n'en a pas eu déjà. Le premier, c'était pas aussi de la marque Uriage, hein, il me semble. Hein. Et donc là, nous avons une gelée fraîche pour démaquiller. Donc c'est une gelée démaquillante, voilà, tout simplement. D'un format pareil, hein, je crois que c'est du Oui, 50 ml. c'est Donc ça. ça, c'est La première sympa. case, c'était le masque d'eau de nuit. Et voilà, donc nous avons deux produits de la marque 23, Uriage. happy birthday! Et bien, pour mon anniversaire, j'aurai une ombre à paupières assez pailletée, assez dorée, comme ceci, qui est légèrement, enfin, qui est même très universelle, qui sert à tout le monde, qui donne un petit côté waouh aux yeux et qui est juste pour l'avant-réveillon. Donc, je pense que c'est une bonne idée. Par contre, la gamme des DN, là, je ne connais pas non plus. Mais assez sympa. Case, qu'est-ce qu'ils nous ont réservé pour cette case 24 que l'on trouve ici, grande case. C'est trop chouette. Oh, mais c'est canon. Bon, moi j'ai plus qu'à essayer d'y sortir. Waouh. Alors là, tes devines de la marque Caudalie. C'est un méga format. Regardez déjà le packaging secondaire comme il est trop beau. Regardez-moi cette beauté, mais ça, c'est encore une fois, c'est ce qu'on aime dans les 24e cases. C'est waouh quoi, franchement, mais là, est-ce que ça se voit pas? Je suis trop contente. Oh, mais c'est une eau fraîche, mais sincèrement, apparemment qui est sensuelle et qui est censée envoûter. Oh punaise! Elle sent très. Elle sent, mais super bon. C'est une dinguerie. Et regardez-moi ce flacon. Ça me fait penser un peu au. Ah, j'en ai plein la bouche. Ça me fait penser un peu. Alors, pas du tout, hein, ça n'a rien à voir. Mais un peu la bouteille de Kenzo. J'en ai une qui est un petit peu légèrement incurvée. J'en ai plein la bouche. C'est une horreur. Ah, j'ai l'impression d'avoir bouffé du parfum. Mais c'est trop canon, je vous jure. Mais qu'est-ce qu'on peut en dire de ce calendrier? Je vais vous dire ça, tout ça, mais vous aussi, dites-moi en commentaire. J'attends de vous lire. Clairement, J'aurais dites-moi bien vous. aimé une petite 25e case. Oh, mais oui, vous aviez raison. Vous avez bien raison de me l'avoir recommandé. Franchement, je ne peux que dire waouh, il est génial. 39,90 €. Il y a des marques, des. C'est Honnêtement, canon. Alors, c'est. honnêtement, pépite. Alors, si vous avez peut-être pas encore craqué sur votre calendrier et que vous avez un Monoprix pas loin, je sais qu'ils ont fait un dernier, mes derniers réassorts des derniers calendriers. Donc, n'hésitez pas à foncer parce qu'il est. Mais ouais, je peux pas dire mieux, je le trouve waouh. Et là, je suis hyper contente d'avoir un boxé, surtout qu'en plus, je me suis fiée qu'à vous. Je ne me suis même pas expo, je n'ai rien regardé. Là, j'ai vraiment,
C'était la découverte et je vous la 24e case. Mais si tous les calendriers de l'Avent pouvaient nous faire ça, parce que je vous assure que des fois j'ai vu des vidéos avec des cases 24 un peu claquées au sol. Bravo, franchement, je saurais. Alors, bon, maintenant, cette année, c'est fait, il est là, je suis vraiment contente. L'année prochaine, à voir. Bon, il y a le premier prix aussi, n'hésitez pas, hein, à 19,90 €. Mais voilà, moi, je peux que vous le recommander. Franchement, il est super. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter sur quand même une note hyper J'espère positive. Que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que cette vidéo vous aura plu, même si ben, on est dans une lumière artificielle à 14h de l'après-midi. J'espère que vous avez apprécié de découvrir ce calendrier de l'Avent. Pareil, j'attends toujours de vous lire, de voilà, laisser vos commentaires. En attendant, vous prenez soin de vous, vous prenez soin de ce que vous aimez. N'oubliez pas, merci à tous ceux qui sont encore là. Ça encourage, ça fait plaisir. Je vous fais plein de bisous d'amour et on se retrouve rapidement.